Ah ouais, le gars est chaud quand même, hein. Même très 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 chaud. Il est tellement chaud que je me demande si on ne ferait pas de lui notre créateur de la semaine. Le maître absolu du football freestyle, c'est Céane Garnier. Céane Garnier est un freestyler français de 36 ans et aujourd'hui, tout le monde sait qui est Céane. Il est quand même celui qui a mis Zidane à l'amende. Vous pouvez demander à n'importe qui, quand vous dites football freestyle, Céane est la première personne qui vient à l'esprit. Le freestyle n'a plus aucun secret pour lui. Il est capable de réaliser de véritables merveilles avec un ballon. Ce n'est pas pour rien qu'il a remporté deux fois les championnats du monde de freestyle. Plus qu'un champion, Céane est une véritable légende de la discipline. Le Français parcourt le monde entier pour montrer tous ses talents et pour humilier quelques personnes au passage. Vas-y, rends-lui le ballon, Céane, t'es pas sympa. Hein? Quoi? Mais il est où, là? Voilà. C'est ça qui fait la magie de Céane Garnier. Le gars est capable de tout avec un ballon, et ça pour le plus grand bonheur du public. Enfin, à condition de ne pas être la victime du freestyler. Si aujourd'hui, Céane est une légende du football freestyle, il aurait pu ne jamais s'adonner à cette discipline. Il aurait même pu devenir footballeur professionnel. Jeune, il a intégré les centres de formation d'Auxerre et de Troyes, mais une grave blessure à la cheville brise ses rêves de passer professionnel. C'est à ce moment qu'il découvre le freestyle et décide de s'y consacrer. Et il a eu bien raison. Désormais, il est impossible de dissocier Céane du football freestyle. Et en août 2020, le Français a encore été honoré en devenant le personnage principal d'un jeu vidéo consacré au freestyle. D'espoir déchu du football à légende du freestyle, Céane Garnier s'est entraîné durement pour arriver là où il est aujourd'hui. Double champion du monde de freestyle, nul doute qu'il aura à cœur de décrocher un nouveau titre mondial. We'll be right back.